Vraiment, là, cette semaine, c'était plus que d'habitude. Je me réveillais, j'allais sur mon tel, automatiquement. Et ça, tous les jours de la Je me semaine. suis endormi avec mon téléphone plus souvent que Et d'habitude. tous les moments où j'utilise mon téléphone inutilement, vous savez ce réflexe-là, quand tu sors ton tel et que tu ouvres Insta, ou TikTok, ou Snap, mais pour rien, pour aucune raison, c'est devenu un Tous réflexe. ces trucs-là, ça a créé une frustration chez moi. Genre, je suis en train de faire un truc, je vais sortir mon tel, je vais allumer Insta, alors que j'étais en train de préparer à manger ou de nettoyer quelque Je chose. regardais une vidéo YouTube d'un mec tout seul dans sa chambre en train de parler pendant 30 Et minutes. dans ces 30 minutes, j'ai retenu qu'une seule phrase. C'était: est-ce que vous vous rappelez du moment quand on était petit et qu'on n'avait pas de Qu'on téléphone? se réveillait pendant les vacances scolaires et qu'on entendait les oiseaux chanter, qu'on entendait tous les bruits du dehors en Et fait. qu'on prenait le temps, genre c'était cette sensation de kiffer ce moment-là, ce réveil, quand t'as rien à faire et quand t'entends les oiseaux, quand t'entends la Ce nature. réveil-là, les gars, dès qu'il a dit cette phrase, ça m'a fait un truc en mode: Wesh, ça fait trop longtemps que j'ai pas et vécu t'as ça. beau habiter à la campagne, dans un quartier où tu veux, je te jure, t'ouvres les fenêtres le matin, tu entends les Et oiseaux. cette phrase-là, elle m'a marqué plus que toutes les autres. Il a parlé pendant 30 minutes, hein, c'est cette phrase-là qui m'a marqué. Après sa vidéo, j'en ai déduit que j'avais plus du tout d'activité manuelle ou spirituelle en dehors Du du sport. sport, en dehors de regarder des séries, des films, scroller sur les réseaux. J'avais plus d'activité en fait, j'avais plus d'activité que je faisais avec vraiment mon cerveau sans être guidé par un Quand écran. j'étais petit, j'avais des cahiers où je dessinais, je faisais du tag, etc. Et je remplissais des cahiers comme Et ça. j'ai lâché ça du jour au lendemain. Je saurais pas forcément expliquer pourquoi, sûrement. Bah en vrai, sûrement la PlayStation, les écrans, Et en etc. fait, je me suis posé dans le canapé comme ça et j'étais en mode, mais attends, le dessin, j'ai toujours aimé. C'est vrai que, genre, Léna, je sais que depuis qu'elle fait ses trucs où le soir est coloris et tout, ça a influencé pas Et mal du de coup, j'étais gens. en mode, mais attends, moi, j'ai toujours aimé dessiner. Et j'ai arrêté du jour au lendemain comme ça, sans savoir pourquoi. Pour que vous compreniez un peu l'impact des écrans sur ma vie actuellement, déjà, je taffe dans la vidéo déjà. Donc si je suis pas en tournage, je suis sur mon ordi en train de faire du montage ou des mails, enfin bref, je suis sur l'écran Et de s'ajoute à l'ordinateur. ça le temps où mon cerveau a envie de scroller, le temps où mon cerveau a envie de regarder un live Et tout Twitch. ça, je vous jure, c'est une dinguerie. Cette semaine-là, Pah là 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 là. les gars, on est dimanche là, donc ma semaine est passée. On est au bout de la semaine. J'arrive pas à y croire. J'arrive vraiment pas à y croire. Regardez le temps d'écran total en bas du graphique. 31h40 minutes sur le téléphone sur une semaine. En 7 jours, j'ai passé plus d'une journée complète à regarder mon téléphone. C'est une dinguerie. Dites-moi votre temps d'écran total là, il est de combien? En Ma commentaire. moyenne quotidienne, elle est de 4h30. Donc ça veut dire, par jour, je tue plus de 4 heures à être comme ça sur mon tel. J'ai envie de péter un câble. J'ai vraiment envie de péter un Mais câble. enfin bref, pour remédier un minimum à ça, J'ai recommencé un peu le dessin du coup. J'ai acheté deux livres. Sharon m'avait dit de prendre un roman ou un truc Mais sauf que fantastique. moi je suis trop matrixé du coup je suis allé à la Fnac et j'ai acheté deux livres, dont Je celui-là. pense que vous connaissez. L'art de la victoire de Phil Knight, et c'est son autobiographie, donc c'est le fondateur de Donc Nike. sur les ces 2-3 jours-là, j'ai réussi à lire un peu tous les jours. Et ça, c'est une grande victoire pour moi parce que mes livres, je les ouvrais une fois et je les retouchais plus Donc jamais. j'ai acheté celui-ci et j'ai acheté l'autoroute du millionnaire. Donc rien à voir avec des romans ou des trucs de Mais c'est science-fiction. des livres qui m'intéressent de ouf. J'adore les histoires de vie, donc les autobiographies. J'ai, on va dire, peu de connaissances sur l'aspect financier de la Et en vie. fait, j'ai acheté l'autoroute du millionnaire pour voir un peu s'il y avait des conseils, s'il y avait des trucs bons à prendre ou pas. Et je me dis, tant pis, même si le livre est nul, au moins j'aurais lu, j'aurais appris certainement quelques Et tips. au moins, mes yeux auront lâché ce foutu écran. Et j'aurais enrichi mon cerveau d'informations utiles. Parce que c'est vraiment Le ça, truc qui m'énerve, c'est qu'on scrolle et on retient rien. On retient rien de ce qu'on regarde. Il y a peut-être un passage de vidéo qui va nous marquer. Il y a peut-être un tips qui va nous marquer. Il y a peut-être une anecdote qui va nous marquer. mais niveau connaissance, que ce soit culture Je générale, trouve que l'aspect enrichissement intellectuel, il est beaucoup trop faible sur les tu écrans. vas apprendre pas mal de trucs, tu vas retenir pas mal de trucs, mais pour moi, c'est pas ce dont tu as besoin dans ta Et vie je en me fait. dis que en lisant les livres, il y aura beaucoup plus de connaissances que je vais retenir,
Là, en ayant lu 50 pages, je me rappelle de tout le déroulement des 50 pages. Je sais ce qui s'est passé, j'ai tout retenu de ce qu'il a raconté. Et en fait, c'est vraiment ça que je recherche, c'est ne plus détourner mon cerveau de quelque chose, ne plus vouloir arrêter de penser, mettre mon cerveau en off et me faire driver par des trucs plus débiles les uns que les autres. Et ça, les 20 premières pages, j'ai galéré. J'étais obligé de relire deux fois chaque paragraphe. Je suis curieux de savoir, vous êtes dans quel cas, si vous avez des activités comme ça qui vous permettent de lâcher le téléphone, de mettre en pause ce côté divertissement abrutissant un peu, la lecture, essayer de dessiner, essayer d'aller faire des balades. Et en fait, de toute cette réflexion, je suis en mode, imaginez nos parents, nos grands-parents, à leur époque, tout le temps qu'ils avaient pour vivre. Tout le temps de vie en plus qu'ils avaient sur nous. En fait, on aime passer à côté de plein de moments de vie. C'est-à-dire que de nous-mêmes, on va aller se mettre dans le canapé ou dans le lit et on va vouloir scroller. Et ça me rend fou. Vraiment, ça me rend fou. Et je suis le premier à aimer ça, en fait. Je suis le premier à vouloir aller dans mon lit, scroller, à vouloir m'endormir sur Twitch, à vouloir regarder des vidéos YouTube. Je suis le premier. Mais ça m'énerve à un point, c'est une dinguerie. On passe à côté de tellement de moments où on pourrait se rendre plus intelligent, on pourrait évoluer grâce à ça, on pourrait juste aller voir nos potes, chiller avec nos potes plus souvent. Alors je suis sûr qu'il y en a qui vivent comme ça, je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas 30 heures d'écran par semaine, et j'espère. Je remplace ces 30 heures par semaine, 30 heures pour autre chose, prendre du temps avec mes potes, ma famille, peu importe. Mais 30 heures où tu vis vraiment et que tu vis pas à travers ce fucking téléphone, quoi. Je me livre un peu sur des problèmes ou des trucs que j'ai envie d'améliorer chez moi. Et en fait, à chaque fois, c'est sincère. À chaque fois, c'est ce que j'ai envie de partager pour essayer d'être une meilleure version de moi-même à chaque vidéo que je sors. Déjà sur plusieurs aspects, que les vidéos soient de meilleure qualité, soient mieux produites, mais aussi que grâce à ça, j'améliore la personne que je veux être, j'améliore ce que je fais. Ce qui me motive le plus là de faire une vidéo par semaine, c'est le retour que j'ai sur les vidéos. Et voilà, j'espère que cette vidéo va me servir, j'espère que cette vidéo va vous servir, et j'espère qu'on va réussir ensemble à quitter les yeux de l'écran, et à vraiment vivre des moments de vie qui vont nous faire kiffer, qui vont nous faire apprendre, qui vont nous faire à proprement parler, vivre. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes un lourd pourcentage à regarder les vidéos et à ne pas vous abonner. Donc faites-le, c'est gratuit, ça m'aide beaucoup. Merci à vous. Wesh, la fin de Golemon, je suis obligé de la refaire. Attendez, faut que ce soit un peu plus cinématique quand même. Encore une fois, merci à vous. Et cette fois, je fais pas tomber le livre.